Salut tout le monde, c'est Johan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis désolé. Et ensuite les gars, demain, les samedis chez Johan, ça commence dès maintenant. Et allez me suivre sur Twitter, pardon. Allez me suivre sur Instagram, c'est le seul réseau social, c'est Johan officiel. Je vous mets ça dans la description de la vidéo. Bon, on peut passer. Aujourd'hui, et aussi je vais faire les dédicaces. Je dédicace à la caméraman, je dédicace à Toto Siva de Paris, je dédicace à tous les gens de la Belgique et je dédicace à mes cousins de la France. On ressemble à la famille. Désolé, je peux pas dédicacer tout le monde, mais je vous aime tous, hein, vous savez. Bon, bref, on va passer à la vidéo. Donc alors, nous allons parler des restaurants. Ah, moi, je kiffe aller au restaurant, surtout avec ma famille. Mais bon, chez nous, les enfants, c'est plus jeu que manger, quoi. Enfin, si, manger aussi. Mais bon, comme chez nous, les enfants, on en a marre de rester sur une chaise pendant 20 minutes, on décide d'aller jouer. Et quand tu vas jouer, t'as deux types de personnes. Il y en a qui disent, « Oh non, les jeux, c'est trop pour les gamins. Moi, je suis une ado, je suis un rebelle. » Désolée, madame, mais si tu veux être une ado... Bah, va surveiller tes frères, pour y a pas de mal, pour y a pas de bagarre, pour y a pas de danger, va surveiller tes frères, je sais pas. Ça c'est vrai. Non, on va pas se mentir. Donc tout ce qu'on a fait, ça nous est déjà arrivé une fois, de tomber de beaucoup, de se faire mal. Ah mais ça vit, hein, vous savez, si tu glisses, tu te tombes, tu casses, tu pleures. Bah oui, parce que... Nous, les enfants, on pleurniche beaucoup. On pleurniche beaucoup. Parce que déjà, on se fait mal. Déjà aussi, on voilà. Mais chez moi, on frappe. Mais ça reste entre nous. Sinon, ils vont nous tuer. Comme je vous l'avais dit, on va parler de restaurants. Donc, en France, c'est plus KFC que McDo. Et qu'en Belgique, c'est plus Quick. C'est plus McDo que Quick. Donc, entre la France et la Belgique, je pense qu'il y a une différence. Parce que chez nous, on n'a pas de KFC. Chez eux, ils ont une KFC. Chez eux, ils n'ont pas Hector. Chez nous, on a Hector. Je pense que celui qui a créé ça... désolé, monsieur, mais vous faisiez mal votre travail. Aussi après, quand t'es un ado, je dis, moi, c'est fini. Je veux plus aller jouer avec mes frères et sœurs. Je veux être un grand. Je veux rester avec mes parents. Si je veux être un vrai ado, il faut que j'apprends à plus jouer avec mes parents. Mais t'inquiète, hein, si même t'es grand, tu peux aller jouer avec tes frères et sœurs. Hein. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis peut-être grand, mais je joue avec mes frères et sœurs. Et aussi pour les surveiller. Mais bon, ça reste entre nous. Ça ne vous concerne pas. Ça reste entre ma famille et ceux qui me... Ça reste entre nous. Et aussi, vous voyez, ensuite, le moment que j'adore, c'est quand le plat, il arrive. Oh là 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 là, je me suis dit tout le temps, ça va être bon ou ça va pas être bon. Je me suis dit, mais bien sûr ça va être bon. Comment un restaurant que j'aime pas, ça peut être dégueulasse. Donc voilà. Ensuite, quand tu manges, tu as le plaisir, tu as le sourire, tu as le cœur qui est bas, qui dit, qui est à le ventre, qui dit, oh c'est bon, c'est bon, c'est bon. Par contre, il y a deux types de personnes. Ceux qui sont bien organisés et ceux qui sont pas bien organisés. Désolé si je dis mal le mot. J'ai pas appris tous les mots, quoi. Donc, en fait, je voulais vous dire que quand je mange, on discute. Ben ouais, manger sans parler, c'est un peu triste, quoi. Et aussi, par exemple, si vous voulez manger avec des frites, les gars, les filles et les garçons, je vous donne un conseil. Ne jamais mettre beaucoup de sauce. Jamais. Mais oui, mais tu vas te sentir mal. Tu vas pas bien manger. Tu vas pas bien digérer. Tu vas faire quoi? Donc, juste un truc. Donc, je vais faire des gestes. Mais ça, ces gestes, ce n'est pas vrai. C'est juste un tag. Oh, il y a des hamburgers. Bonjour, monsieur. Je vais vous prendre un hamburger.
je vais vous prendre des frites, des potatoes, et je vais vous prendre sauce de luxe, s'il vous plaît. Et comme boisson du Sprite. Ça fera 10 000 balles. Non mais monsieur, vous êtes sérieux là? J'ai commandé un hamburger, plus une barquette de frites, plus une boisson, vous me laissez 15 000 euros? Non mais il est taré. Vous savez quoi? En fait, je reviens plus jamais dans ce restaurant. Parce que on est en 2018 et vous nous arnaquez toujours. Et moi, je pars. Hein. Allez, bye bye, ciao. Alors les gars, imaginez si ça se passait vraiment dans la vraie vie. Ce serait un choc. Surtout vous, les filles. On a compris les blabla, les cris. Quand c'est petit... Quand c'est petit, ça crie, ça pleure, ça tapote. Alors que nous, on est costaud. On doit protéger nos sœurs. On doit leur donner de l'amour. Et on doit leur faire confiance. Alors quand tu grandis et quand t'as ado vers 13-16 ans, tu commences à être un rebeu. Alors un rebeu, ça veut dire « Ouais, moi j'aime pas les enfants, ça crie, ça pleure, ça se casse, ça tout. » Moi, je préfère être une ado toute ma vie, quoi. Bon, je vous dis aussi, au KFC, c'est bien. Parce qu'il met du poulet, mais... Vous savez quoi? En fait, j'avais fait... je pense que j'avais tourné la vidéo le 11 août, je pense. J'avais fait une vidéo, je vous montre mon hôtel. Vous savez quoi? Dans le montage, je vous mettrai le lien dans le lien. Je mettrai le lien dans la description. Et ensuite, voilà. J'ai un dernier truc à vous proposer. Donc ensuite, le KFC, c'est bien. Mais des fois, ça tourne mal. Parce que si tu prends un piquant... Ah, aussi. Pendant que je vais manger un poulet, je vais m'imaginer un poulet aussi. Et voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, pensez pas à liker, partager. Vous êtes déjà beaucoup de monde à me suivre. Je suis très heureux. Et les samedis chez Yoann, ça commence dès demain à 17h. Soyez là, au rendez-vous. J'espère que vous allez être là. J'ai pas envie de rater. Et suivez-moi sur mon Instagram. C'est le seul réseau social que j'ai. Je vous aime et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, à demain pour un samedi chez Yoann. Ciao. Là c'est bon.